y a pénalty, mais bon, moi je comprends pas. Pourquoi ils disent que... C'est facile, il peut pas rentrer dans le sol, il peut pas, c'est assez compliqué. Pénalty, c'est tout, faut pas discuter, pénalty. Pour le supplé. Je comprends pas, mais pourquoi ils discutent? Il y a pénalty. Bon, à voir, il va marquer ce cinquième pénalty, parce que... La décision, bah, c'est pas le, plus beau match du monde. Si, comme je dis, il n'y a pas de jeu... Ça fait 5 pour Lyon. On marque. Il a provoqué cette faute involontaire de Mohamed Youssouf. Il est content à voir, il est content. Le gars, il a mis toute sa puissance. Enfin, sur le pénalty, il a pas mis toute sa puissance, je veux dire. Mais depuis tout à l'heure, il joue perso, il veut marquer son but. Il voit que tout le monde marque. Le gars, il veut marquer son but. Donc, voilà le pénalty. On a dit, vas-y, marque. Qu'est-ce que tu discutes? Même Toko Ekambi, lui, il s'en fout. S'il ne marque pas là, il marquera dans un autre match. Qu'est-ce qu'il discute? Le gars, il jouait perso. Perso. Il voulait à tout prix. À un moment donné, si vous regardez le match, vous voyez bien qu'il voulait marquer son but. À un moment donné, au lieu de faire la passe sur le côté, il veut jouer tout seul pour essayer de marquer son but. Et voilà, tu l'as mis ton pénalty, tu l'as mis ton but. Je comprends pas, les gens. Bah ben, 5-0, là. À l'heure que je vous parle, ça en direct. 5-0 de Lyon, mais bon, je vais pas vous dire c'est la meilleure match, non, c'est un match tranquille, mais il faut gagner quand même, et oui, il faut gagner. Je dirais pas que ça jouait pas en face, que c'est des plots et tout, parce que les Corses, bon, là ils jouaient, mais bon, ils ont un championnat difficile, c'est un peu un temps difficile pour eux en ce moment. Donc bon, voilà, on est vraiment les favoris, donc voilà, les matchs est là. 5-0, tranquille, tout le monde marche, content que Cherki il a marqué, c'est très important. Et Sinimali, là, l'Algérien, qui a marqué. Et Rose Delicas à Samy, parce que tu me disais qu'il allait marquer l'Algérien. Il a marqué. Vive l'Algérie, vive à tous les Algériens. De France, bien sûr, et du monde, hein, tous les Algériens qui suivent la vidéo, évidemment. Non, c'est bien, le match il est tranquille, c'est pas le plus dur, c'est un match tranquille. Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très très bien. Moi ça se passe bien, j'espère que vous passez une très très bonne semaine les amis, et que tout se passe à merveille pour vous, malgré le virus bien sûr, parce que c'est important de le préciser qu'il y a toujours ce virus qui me guette. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ben, comme vous avez vu, le match n'était pas terrible, franchement, contre une équipe de Ajaccio qui est normalement qui est une bonne équipe. Mais bon, ils sont plus en Ligue 1, ils sont en Ligue 2. Et en ce moment, ils ont un peu du mal un peu en Ligue 2. Ça va pas très à merveille en ce moment pour Ajaccio. Et quand même, il faut quand même le dire que Ajaccio est une équipe de Ligue 2 qui est 10e de son championnat. Et ils ont quand même joué contre le 2e de Ligue 1 qui en ce moment qui lutte pour être champion de France. Et qualifié pour la Ligue des Champions, on va quand même dire, il y avait, on va dire la vérité, hein, il faut dire la vérité. Hein. Il y avait un écart quand même dans le jeu, on voit bien qu'il y a un gros écart entre cette équipe d'Ajaccio et Lyon. Il y a un grand écart, même si Ajaccio a marqué un but, au moins ils ont sauvé l'honneur. Moi je suis content pour eux quand même, ils ont sauvé l'honneur que de perdre 5-0. Ils ont au moins marqué un but. D'ailleurs, j'ai même pas vu le but, moi j'ai... Je le regarde même maintenant, à l'instant que je vous parle, qu'ils ont fini par marquer un but à Ajaccio. Mais je veux quand même dire qu'il y a un gros écart, donc c'est pas le meilleur match de Lyon. Mais je suis content pour cette Coupe de France, parce que quand même on revient en Coupe de France. Et l'aventure, c'est reparti pour une autre aventure. Peut-être qu'on va se faire sauter rapidement, ou peut-être qu'on va aller, peut-être que Lyon va aller jusqu'en finale. On ne sait pas encore, les amis. Le suspense. Bon, il va avoir des joies comme il peut avoir des larmes de mon côté, mais bon, vous allez me dire, bon, c'est la Coupe de France. Tout est possible dans la Coupe de France. Une petite équipe peut battre une grosse équipe. Je ne sais pas, une toute petite équipe, même de CFA, peut battre Lyon. Attention, tout est possible. Donc, il ne faut pas quand même se vanter sur ce genre de match, mais je suis content quand même sur cette prestation des Lyonnais, puisque, bon, d'entrée de match, Lyon a commencé à montrer sa valeur et montrer que bon, ils étaient présents dans le jeu. Donc ils ont fait le jeu et puis Lyon a cartonné sur le premier but, deuxième but, ainsi de suite. Et
Ce qui m'a impressionné sur ce match, bien sûr, il y a quelque chose qui m'a impressionné, c'est que je suis content de voir que Sharkey a marqué. Je ne sais pas si je le dis bien, Sharkey ou pas, peu importe, vous connaissez de qui je parle. Je suis content qu'il a marqué, puisque ce joueur a quand même du mal à s'imposer dans l'Olympique Lyonnais en ce moment. Et je suis content aussi pour l'Algérien qui a marqué un but de qualité. Bon, je suis content pour lui aussi, puisque comme m'avait dit mon ami Samy, que cet Algérien allait marquer, ben, je suis content. Et vive l'Algérie encore. Et puis voilà, je suis content de la prestation que les Lyonnais ont fait, mais on va dire que c'est qu'un début, c'est le début de la Coupe de France. Je ne veux pas dire que je suis hyper heureux et tout. Si Lyon bat par exemple une équipe comme Paris en Coupe de France, là je pourrais dire que je suis heureux. Quand c'est des équipes de Ligue 1 qui sont en haut de championnat, là c'est plus important. Mais là c'est la Ligue 2 contre la Ligue 1, donc on va pas quand même se vanter. Parce que quand même l'équipe de Corse, c'est une équipe qui joue très bien au football. Et bon, ils sont en ce moment en galère dans leur championnat en Ligue 2. Et puis ils sont 10e. Et puis c'est pas très terrible. Mais au moins ils ont fait leur petit jeu. Donc ils vont rentrer en Corse et puis tout va bien se passer pour eux. J'espère, je leur mérite de rester en Ligue 2. Voire c'est d'accrocher une place pour monter. Mais bon, je pense pas que ça aille en ce moment possible, puisque là ils sont quand même 10e, donc ils ont beaucoup de points à récupérer. Mais bon, je leur souhaite vraiment de rester, de pas descendre que de la Ligue 2, limite de revenir en Ligue 1, mais pas de descendre de la Ligue 2, puisque ça c'est quand même chiant de monter dans une équipe, de monter dans un classement, dans un niveau, et de redescendre un niveau, puisque là en ce moment ils sont en Ligue 2. Leur tout pour eux, c'est monter en Ligue 1 un jour, bien sûr. Bon, je ne sais pas si cette année ça va être possible, mais bon, en ce moment, ils sont mal partis. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. J'espère que la vidéo vous a pas trop plu, que je n'ai pas trop parlé. Et je vais faire une grosse dédicace à mon ami Samy et ses enfants, Jawed et tout ça. Et puis, une grosse dédicace aussi à Ayette, une grosse dédicace à Maria, une grosse dédicace à que j'oublie pas trop les dédicaces, parce qu'après on va me chicoter. Je dis, enfin c'est une façon de parler, parce que voilà. Une grosse dédicace à Sylvain, à Hichem, une grosse dédicace aussi à une personne que j'apprécie aussi très 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 bien, qui s'appelle Alexandre, Alexandre, voilà, on va dire Alexandre. Bon, on l'appelle Alexis, enfin bref, il se reconnaîtra. Et une grosse dédicace à. Je crois que j'ai dit tout le monde ce que je devais dire. Hein. Ouais, Maria, puis après il y avait qui, les dédicaces que j'avais prévues d'aujourd'hui. Enfin, n'hésitez pas à la prochaine vidéo me dire vos dédicaces, que ce soit par message ou par. Commentaire, et je vous fais une dédicace spéciale pour vous, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Quant à moi, j'attends le prochain match de Lyon et je suis impatienté de voir ce que Marseille va faire demain à 2h, puisque l'Olympique de Marseille joue contre Auxerre, qui est une équipe très bien placée en ce moment. Auxerre est 5e de son championnat, donc je pense que ça va être un match très important pour Marseille, pour se relancer. Et puis la Coupe de France sans Marseille, c'est pas rigolo. Il vaut mieux qu'il y ait Marseille, comme ça, ça fait un Marseille-Lyon ou peut-être un Marseille-Paris, mais c'est important que Marseille n'échoue pas à cette phase-là, puisque Auxerre en ce moment est très très bon. Alors j'espère que les Marseillais feront attention et gagneront demain leur match de Coupe de France. Quant à Paris, je ne vous laisse même pas vous le dire, puisque ils jouent contre, je ne sais plus si c'est pas Dijon ou quoi, mais je pense qu'ils vont passer. Puis voilà quoi. Je voulais juste ces petits messages et une grosse dédicace à monsieur Philippe Garcia. Bon, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Quant à moi, je vais aller regarder un peu la télé et aller ronfler, puisque demain il y a le travail. Donc c'est parti.